bonjour à vous tous. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup. Merci, madame. Bonjour à vous tous. Bonsoir plutôt à tous ceux qui sont connectés en ce moment. Je ne veux pas lire tout le monde. Bonjour, Lélia Lamionne. Bonsoir. Bonsoir à vous tous. Merci beaucoup. Hein. Voilà, je suis là pour vous annoncer, vous tous, je crois que vous êtes déjà au courant, vous êtes, je ne sais pas si parmi vous, vous êtes vraiment au courant. Si vous êtes déjà au courant, voilà. Voilà, je fais ces vidéos pour, voilà, nous sommes en deuil. Nous sommes en deuil, le gouvernement de la joie, je vais dire, quand je dis nous, c'est tout le monde ensemble. Nous tous, toutes les femmes joyeuses, nous sommes en deuil parce que nous avons perdu notre bébé de retraite, Dieu de nous qui est décédé. Je reconfirme, effectivement, Dieu de nous est décédé. Voilà, je crois que c'est aujourd'hui qu'il est décédé. Donc, je tiens avec Dieu, fais cette vidéo tout simplement pour que nous pour venir soutenir la veuve joyeuse, soutenons la veuve joyeuse parce que la veuve joyeuse est une personne très très bien, c'est une femme de grand cœur, donc il faudrait vraiment la soutenir. Voilà. Ce n'est pas facile. Je sais ce que c'est de perdre un enfant. Je sais ce que c'est de perdre, de faire une fausse couche. Donc je tiens à pas seulement moi, vous tous, je viens, je vous prie de soutenir la veuve joyeuse, ce n'est pas facile. Psychologiquement, mentalement, je sais ce que c'est, je sais le choc que ça fait. Voilà, donc soutenons-la, et elle ne va pas très bien, elle ne va pas bien du tout, elle ne va pas bien. Il faut vraiment faut qu'on la tienne la main, ce n'est pas facile. Donc je tiens à dire, tous ceux qui aiment la veuve joyeuse, de près ou de loin, ceux qui sont là, ceux qui sont, on va dire, que tu te trouves dans n'importe quel coin du monde, si tu aimes la veuve joyeuse, soutiens-la. Envoie-lui un message, envoie-lui des cœurs, ce n'est pas facile. Ce matin, je me suis levée, j'allais travailler, je suis allée travailler ce matin, et j'étais habillée en noir. C'est le hasard qui fait les choses. Je me suis levée pour aller travailler. J'ai travaillé normalement. Mais par contre, j'ai décidé de m'habiller en noir. Je ne sais pas pourquoi. D'habitude, je ne m'habille pas en noir. Je suis allée travailler. J'ai fini ma journée. Je suis rentrée faire de l'eau à midi. Parce que d'habitude, moi, quand je me lève le matin, quand j'ai ma pause de midi, j'aime bien me reposer. Parce que c'est bien psychologiquement, c'est bien pour mon corps. Et pour mon esprit. Donc, à 15h45, j'ai une amie à nous qui m'appelle, qui me dit j'essaie d'appeler la veuve depuis, elle ne répond pas, qu'est-ce qu'il y a et tout. Je dis, mais comment ça, elle ne répond pas, tu n'as pas le numéro de la veuve? Elle me dit, si, j'ai le numéro de la veuve, mais j'arrive pas, j'essaie de l'appeler, mais elle ne me répond pas. Je dis, bon, ok, moi je vais l'appeler pour pouvoir prendre de ses nouvelles. Et quand j'appelle la veuve joyeuse, la première chose qu'elle me dit, c'est Dieu de nous est mort. Je dis, quoi? Dieu de nous est mort? Oui, il est mort, il est décédé. Effectivement, il est décédé, ce petit ange. C'est Dieu qui donne. Tout ce que je peux dire à la veuve, c'est Dieu qui donne. Et c'est Dieu qui reprend maman. Donc, sache que nous sommes là pour te soutenir. Nous sommes là pour t'apporter, pour te remonter le moral. Que ce soit psychologiquement, parce que moi je serai là pour toi. Nous sommes là pour te tenir la main. Nous n'allons pas te lâcher. Je ne vais pas te voir sombrer à cause de cette histoire. Et le gouvernement de la joie te demande de rester forte. Parce qu'on sait, je sais que tu es une femme forte. Donc je te soutiens la veuve. On ne te lâchera pas. Tu es notre veuve joyeuse. Tu auras toujours la joie.
nous serons toujours là, dans des bons et des mauvais moments pour toi. Sache qu'il y a des milliers de personnes qui te suivent, la veuve. Il y a ces centaines de personnes, que ce soit tes détracteurs, que ce soit ceux qui sont avec toi. Il y en a des milliers de personnes qui te suivent. Oui, pour ceux qui veulent voir la veuve joyeuse, il faudrait d'abord qu'elle sorte de l'hôpital. Parce que vous savez, quand tu es enceinte et que tu perds ton enfant dans le ventre, il y a certaines procédures à suivre. Vous voyez, donc ça va prendre un peu de temps. Mais après, quand elle sera chez elle, nous pourrons aller la voir. Nous pourrons la rendre visite. Pour ceux qui ont le temps, hein, parce que c'est que c'est en Europe, il y a d'autres qui travaillent. Il y a d'autres. Le planning, vous voyez, le planning, c'est pas souvent ça. Si tu veux. Ok, j'arrive. Mais par contre, vous pouvez parler, comme je disais tout à l'heure, excusez-moi, je me suis un peu déplacée par rapport à ma fille. Vous pouvez pas aller la voir à l'hôpital maintenant. Parce que d'abord, ici, les hôpitaux, on n'accepte pas plusieurs personnes dans la chambre. Donc, c'est par. Vous voyez. Donc, mais par contre, elle sera chez elle. On vous donnera le programme. Hein, pour ceux qui veulent vraiment voir la veuve choisir, se déplacer et tout, on va tout organiser et nous irons la voir. Voilà. Oui, des gens sont méchants, vous savez. Beaucoup de personnes. Oui, comment on l'appelle là? Sylvia Mbrakata. La méchanceté de quelqu'un. Les gens sont vraiment méchants. Très, très méchants. Bref, je ne vais pas entrer dans ce sujet-là parce que c'est effrayant. C'est vraiment très effrayant. C'est. Je ne sais même plus quel mot employer. Oui, courage à la veuve. Franchement, ce n'est pas facile. Donc, je crois qu'on va la garder pour quelques temps à l'hôpital. Parce que quand tu fais une fausse couche ici, pour celles qui ont déjà fait les fausses couches, je ne vais pas vous expliquer, passer par quatre chemins pour vous expliquer. Vous savez comment ça se passe? On te fait accoucher, hein, comme si tu accouchais normalement, oui. L'homme, je te. Ouais. Je connais pas Lionel Ado, c'est qui? Donc, soutenons la veuve massivement. Ceux qui veulent venir là avec leurs injures, là. Les injures, oui. On n'en a rien à foutre des injures. On n'est pas là pour ça. On est là pour soutenir la vie de Joël. Parce que psychologiquement, c'est un choc. C'est un choc. Ok. Allô. Allô. Allô, bonsoir. Bonsoir. C'est comment? T'es comment? Maman, il dit que je ne suis pas. Je ne sais pas. Je suis dépassé. Non, après, il me dépasse grave. Moi, je suis dépassé. Moi, je, je,
J'appelle un peu dans, je pouvais, j'ai bien commenté là, mais je préfère appeler pour dire aux gens que pardon. Mes frères Camerounais, pardon, quand il faut blaguer, blaguons. Mais quand c'est vraiment sérieux, où il s'agit du sérieux vraiment, il faudrait que chacun prenne sa place. Oui, Ça sert à exactement. quoi une femme qui a eu des enfants avant et a encore eu la chance de tomber enceinte après peut-être ses 40 ans et fait une fausse couche? Elle va venir vous mentir qu'elle est enceinte par rapport à quoi? Ça va lui servir à quoi? Ça va lui servir à quoi? Pourquoi on est si méchant? Il y en a de l'autre côté qui font des vidéos, ils dansent, ils jubilent. Vous jubilez quoi? Vous jubilez quoi, franchement? Vous jubilez quoi? Vous jubilez, vous jubilez, vous êtes content de quoi? Vous êtes content de savoir qu'une femme, elle est enceinte, l'enfant est mort dans le ventre et on va l'opérer ou bien on va la faire accoucher pour sortir l'enfant? Franchement, chérie, Ça. de toi en moi, toutes les classes qui se font sur Facebook là, veuve n'a jamais été pour un clash, sauf qu'elle a été le genre que quand on la clash, elle aussi elle clash. Mais elle nous a toujours amené la joie de vivre, toujours en train de boire d'Agobert, toujours en train de danser, toujours en train de boire d'Agobert. C'est quand on la provoque, elle aussi, elle se défend et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal qu'elle se défende. Pourquoi les gens, je ne sais pas, les Camerounais, pardon, mes frères, apprenons à faire que quand c'est sérieux, restons dans le sérieux. Là, c'est un malheur qui arrive à notre sœur camerounaise, franchement. Franchement. Vous jubilez quoi? Non, mais franchement, Veuve Joyeuse a une. Sa première fille a plus de 23 ans. La deuxième a, je pense, 19 ans ou 20 ans. On était avec elle à l'anniversaire le premier. Bien sûr, bien sûr. Oui. Donc, Ce n'est pas comme une femme qui n'a jamais accouché qui a la phobie de la grossesse. Ce n'est pas comme une femme qui n'a jamais accouché qui a la phobie de la grossesse. Elle a déjà eu affaire des enfants. Et bien elle a sûr. surnommé cette grossesse, elle a surnommé cet enfant Dieu donné, parce qu'à plus de 40 ans en Europe, tomber enceinte, ce n'est pas facile. C'est pas Ça ne facile. coupe pas les rues. Donc vraiment, mes frères, moi, je viens là pour vous dire que vraiment, ça ne sert à rien. Les comportements que vous avez là ne servent à rien. Vraiment, quand il s'agit du sérieux, prenons les choses au sérieux, même si c'est sur Facebook. Quand il s'agit du sérieux, prenons les choses au sérieux. Vraiment. Vous dansez, vous jubilez, vous publiez quoi? Cette femme n'a jamais été méchante envers personne. Elle n'a jamais été méchante envers personne. Moi, j'ai eu l'occasion de la côtoyer. C'est comment? Gabriel, tu as bien parlé, tu n'as pas mal parlé, hein. Tu n'as pas mal parlé, hein. Chérie, on était là le 1er décembre, on s'est bien amusé avec elle. Nul n'est parfait, mais Elisabeth n'a jamais été une femme méchante. Elisabeth n'a jamais provoqué. Enfin, on la provoque, elle réagit, c'est tout ce que nous tous on sait, mais elle est une femme pleine de joie de vivre. Elle a nommé son gouvernement le gouvernement de joie. Est-ce qu'un jour elle a nommé que c'est le gouvernement de clash? Hein? Jamais. Et même si même, admettons même qu'elle est une qui fait les poèmes sur la toile et tout, quand un malheur est déjà arrivé, vous mettez d'abord la colère de côté, vous soutenez quelqu'un. C'est comment? C'est qu'on fait, hein? Je suis très effrayé, je suis très effrayé et choqué de voir les commentaires et les publications des gens par rapport à cette histoire. Me donne des frissons, en fait. Parce que nous sommes la diaspora. Et dans la diaspora, la diaspora camerounaise fait peur. Franchement, en ce moment, Moi, je vais démarrer ma voiture dès qu'elle est à l'hôpital. Je connais ce dès qu'elle est à la maison. Elisabeth, c'est mon amie, c'est ma grande soeur. Je connais ce qu'elle aime bien manger. Je connais ce qu'elle aime. Je vais démarrer ma voiture un week-end, venir rester avec elle à Paris parce qu'elle mérite et elle ne m'a jamais fait du mal un jour. Je vais venir la soutenir, vraiment. selon Je la ne suis constitution. pas content de voir ce comportement que les gens affichent. Le mal est Camerounais, mes frères, pardon. Dans la tête, là, dans la tête, quand quelqu'un perd, surtout une femme, quand elle perd son enfant, ce que ça fait dans la tête psychologiquement, on ne sait pas. Il faut qu'on Parce soit que le là. problème, c'est que chérie, quand les gens mettent sur Facebook que c'est une fausse grossesse et tout, est-ce que Elisabeth, c'est comme si oh, quelqu'un qui n'a jamais eu d'enfant, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu d'enfant qui peut avoir la phobie de la grossesse. C'était une fausse grossesse. Il faut être malsain pour le dire. Elisabeth De Degrenon toi est en moi, chérie, de toi en moi, Elisabeth, ce n'est pas une femme qui cache quelque chose. Quand tu appelles Elisabeth en vidéo comme ça à la maison,
Même si elle est en train de se laver, tu la vois. Moi, j'ai vu Elisabeth à la salle de bain en train de se laver plusieurs fois. On parlait, je lui disais que, me voilà, j'arrive à Paris. Même comme tu en sais, il faut qu'on aille boire un verre. Elle était en train de se doucher. J'ai vu sa grossesse avec mes yeux. Pourquoi on n'a pas besoin de se justifier? Et si tu te rappelles, quand on était à l'anniversaire d'Elisabeth, quand Elisabeth avait essayé d'avoir la première robe qu'elle voulait porter pour qu'on aille à la soirée de Céline de Dieu, je lui ai dit que, ton ventre que je vois, c'est comme ça la forme, donc tu peux encore tomber enceinte. Elle m'a dit, ah, laisse-moi tranquille, je ne suis pas enceinte, je ne suis pas enceinte. À son anniversaire, le 1er décembre, je lui ai fait cette blague-là. Je lui ai fait cette blague-là. Ouais. Ouais, franchement. Elle ne s'attendait pas, c'est arrivé. Elle est tombée enceinte naturellement. Et des gens, ils sont là, ils inventent qu'elle avait un faux ventre et tout. C'est maintenant, il faut vraiment être Je malgré lui-même. comprends que. Je comprends qu'il y en a qui veulent tomber enceinte. Je comprends qu'il y en a qui sont même déjà, qui sont prêts à mettre 10 000 euros pour qu'on les installe l'enfant dans le ventre. Je comprends tout ça. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle vous devez venir vous agripper sur une histoire qui ne vous regarde pas. Elisabeth était bel et bien enceinte. Elle était bel et bien enceinte. Donc vraiment, de grâce les Camerounais, quand c'est le malheur, assistons même notre ennemi. Là où moi je parle là. J'ai tellement d'ennemis ici dehors, que ce soit en Belgique, à Paris, au Cameroun, en Suisse. Mais si un de mes ennemis, et la plupart de mes ennemis, c'est d'abord des gens qui étaient mes amis avant. Et ça fait que si cette personne-là a quelque chose qui lui arrive maintenant, même si on est ennemi, si la personne a un malheur, je vais me lever, je vais partir. Je vais me lever, je vais partir. Donc il faut qu'on arrête ça. Parce qu'on Qu'on se met arrête là. ça. Vous venez commenter, vous mettez les noms des gens. Moi, je ne vais pas citer le nom des gens ici parce que après, ça va devenir un clash. Je parle, je généralise en disant que vraiment, quand un de nos frères camerounais ou bien une camerounaise a un malheur, soutenons-la. Au lieu de jubiler que tel a un malheur, soutenons-la. Franchement, c'est des gens qui citent les noms là, c'est vraiment Non, des moi sons. je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour ça. Ils peuvent citer leur nom. Je suis là pour généraliser. Je généralise, je parle de nous tous. Nous sommes là pour l'aveugle joyeuse parce que psychologiquement, vous ne savez pas ce que ça fait. Vous ne savez pas ce que ça fait psychologiquement. Donc, il faudrait que Moi, je tout viens d'avoir Elisabeth au téléphone là tout à l'heure et c'était en vidéo là où elle est couchée sur le lit d'hôpital. C'est le médecin qui est venu lui dire que, hey, il faut qu'elle arrête, qu'elle ne doit plus être à côté du téléphone. On était en train de parler. Regarde dans quel état Elisabeth elle est. Je suis sûr et certain que toi aussi tu l'as eu au téléphone parce que nous sommes les gens proches d'Elisabeth. au téléphone. On a bien discuté tout à l'heure. Voilà. Elle est dans tous ses états et les gens se permettent de jubiler sur la toile. C'est Mais ça. c'est quoi ça? Comme quoi, il faut voir des hommes morts, voilà, enterrés pour pouvoir faire la fête, quoi. Il pleut sur tous les toits, hein, mes frères Camerounais. Il pleut sur tous les toits. Quand vous voyez là, il pleut sur tous les toits. Ah oui. Les gens oublient souvent très vite, hein. Ah oui. Donc nous sommes là pour soutenir la veuve joyeuse, le gouvernement de la joie. Nous, on ne va pas te lâcher la Le veuve joyeuse. gouvernement de joie, nous on n'est pas le gouvernement de clash, on est un gouvernement de joie et on soutient notre sœur. Et je dis et je promets, je vais démarrer ma voiture un week-end. Je viendrai rester avec Elisabeth à Paris. Un week-end. Elle mérite mon soutien. Je quitte chez moi. Elle est ici à côté. Je quitte le samedi. Je travaille le matin. Et je dors chez elle le samedi soir, dimanche, on est chez elle, on rentre lundi. Donc on sera tous là-bas. Voilà pour la soutenir, pour Tu rester sais, avec elle. moi j'ai culte de Sainte-Sainte dimanche. Je vais voir avec mon programme si je peux partir d'ici dimanche après-midi après le culte. Je viens, je dors toute la nuit du dimanche jusqu'à lundi. Lundi soir, je rentre en Belgique. C'est 2 heures et demie de route. Moi, je suis à 2 heures et demie de Paris. Hein. À côté, oui. Je Donc suis nous à deux partons. heures et demie de Paris. Vraiment, que les Camerounais arrêtez ça. Il y a un malheur, vraiment. Moi, là où je suis, là, même mon pire ennemi, si on m'appelle actuellement que mon pire ennemi a un décès ou bien a un décès, je vais me lever, je vais partir. Non, ça me fait peur. Ça fait peur. Oh, Ça me vraiment. fait peur de rester comme ça. Tu laisses ton verre, on t'empoisonne. Hein? Mais Ah oui, hein? oui, mais oui. Poison, hein? Il y a le poison là-dedans. Hein? Fais très attention. Hein? Quand tu te lèves pour aller aux toilettes, marche avec ton verre. Parce que le deux est mauvais. Tiens! Oh. Non! En tout cas, comme je disais,
Toi, tu ne Et peux comme tu es pas. à côté, comme tu es près d'elle, quand on va enlever cet enfant, parce que je suis sûr qu'à cause de ce qu'on dit sur Internet, Elisabeth va vouloir peut-être qu'on lui fasse les photos en laissant croire au médecin que c'est les photos de souvenirs pour venir balancer sur Facebook. Faites tout pour qu'Elisabeth ne fasse pas ça. Elle n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Elle n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. À personne. Oh là Elle là. n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Nous qui étions proches d'elle, on sait qu'elle était enceinte. Donc, elle n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Donc, voilà. Ok, chérie, je vais te laisser. Hein. Je suis en train de faire manger. Bisous. Hein. Bon courage. Ouais. Ouais, non. Bon, moi, vous savez que je n'aime pas trop durer dans mes vidéos. Non. Quand je parle pas une fois, ça sort comme ça sort. Méfiez-vous, faites très attention. Surtout dans le milieu de la diaspora camerounaise en ce moment. Il n'y a que les bambis qui rôdent. Il y a trop de méchanceté. Quand quelqu'un quitte au Cameroun avec sa sorcellerie là, qui est dans le ventre, c'est suivant. Quand il arrive en Bénin, ça se multiplie par, ça s'ajoute encore. Ça fait 40, 20. 20 plus 20, ça fait 40. Donc, hein, méfiez-vous. Faites attention. Et moi, je tiens à dire soutien total à la veuve. La veuve que vous voyez là, au fond, ce n'est pas une mauvaise femme. C'est une femme comme ça. C'est pour ça que je suis derrière. Parce que quand elle dit quelque chose, ça sort dans son cœur, elle ne revient plus derrière. Ça sort comme ça sort. Elle ne garde rien dans son cœur. C'est vraiment déplorable. Je vois les postes partout, oui, elle était pas enceinte, elle avait un faux ventre. La veuve, elle vient gagner quoi pour dire aux gens qu'elle était enceinte? Elle gagne quoi derrière? Hein? Tiens, Dalo, je t'appelle. Bon, moi, je connais pas les gens si. Ah, la veuve a perdu son bébé. Moi, je viens reconfirmer que Dieudonné est bel et bien décédé. La veuve, je n'invente rien. Tout ce qu'elle a dit sur sa vidéo, qu'elle est à l'hôpital et tout, c'est vrai. Ce n'est pas faux. Et nous devons être là pour la soutenir. Parce que dans la tête, là, ce qui se passe dans la tête, quand tu es un choc, il faut qu'il y ait des gens positifs autour de toi pour te soutenir. Sinon, c'est la descente aux enfers. Moi, je sais ce que c'est. Surtout dans un pays comme l'Europe, si. Vous savez comment en Europe, les gens sont fous dans leur tête, non? C'est pas pour rien qu'ils ont des centres de... Comment on appelle là? Ils ont les psychologues et tout. Même les blancs, ils vont voir les psychologues. Donc nous devons être là pour la veuve. Nous devons être là pour la soutenir. Il faudrait qu'elle sache qu'il y a des gens qui sont là pour elle. Richard Malolo, le sujet c'est soutenons la veuve joyeuse. Voilà le sujet. Le gouvernement de la joie soutient la veuve joyeuse. Oui, elle en a besoin en ce moment. Mengo, patience, elle en a besoin en ce moment. Franchement. Moi, je ne sais même plus quoi dire. Hein. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui parle trop. Je ne parle pas beaucoup. Moi, j'aime passer aux actes, j'aime agir. Et quand je parle trop, là, je perds mon énergie à parler. Avec cette énergie-là, je peux faire des trucs positifs. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne parle pas beaucoup. Ah oui, Rebecca, l'Europe, si ta soeur a un problème, même si c'est ton ennemi, mets d'abord ton orgueil là de côté. Tu vas aider ta soeur. Parce que hein, ce qui se passe dans le cerveau, vous ne connaissez même pas. Vous ne connaissez même pas ce qui se passe moi, dans la tête des gens. Voilà, il faudrait qu'on soit là pour elle.
Donc, restez connectés, hein. On vous donnera la suite du programme. Donc, voilà. À l'hôpital, on l'a interdit. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Ouais, va prendre ta tablette. C'est quoi? J'arrive, d'accord? À l'hôpital, on a même interdit le téléphone, hein? Parce que quand tu as le téléphone, le docteur dit stop, pas de téléphone. Sinon, elle aurait même déjà fait la vidéo depuis. Là, connaissant la veuve. Hein, Thierry Dallo, je t'appelle. C'est qui ça? Ah oui, merci beaucoup. Hein. Oui, alors, bonsoir. Oui, oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, ma chérie, ça va? Ça va et toi? Ça va bien, ça va bien. C'est où? Tu es où? Projet. Oui, j'ai écouté ton sujet, vraiment, ce que tu es en train de parler là, c'est vrai, moi je suis sénégalaise. Ah oui, tu es sénégalais? Oui, ouais, je suis sénégalaise, mais actuellement je suis en Italie, je ne suis pas Sénégal. Tu es où là? Je suis en Italie, Italie. Italie. Oui, je suis en Italie. Oui, ça va, alhamdoulilah, ça va. Vraiment, je suis très content à ton sujet là. Parce que ce que tu es en train de parler là, j'ai tout de suite regardé la fille. Tout de suite, ah, là, je l'ai regardé tout de suite. Il est en train de pleurer même. Oui, c'est triste, hein. Nous, ouais, les Africains, nous devons. Tu ne vois pas. Je te vois. C'est vrai, j'ai vu ça. Vraiment, c'est pas joli. Vraiment, on doit aider comme la manière que tu dis là. On doit sacrifier presque nous, les Africains, là. Vraiment, on est trop fatigués. Ouais, il y a. Ouais. Tu dis? Tu dis y a trop de méchanceté entre nous. Je n'ai pas bien entendu, hein. Pardon. Hein. Il y a trop de méchanceté entre nous, hein. Donc, tu as elle pour soutenir la veuve, c'est ça, hein? Vraiment, c'est vrai, ce que tu es en train de parler là, c'est vrai. Moi, j'ai vu ça, j'ai dit, attends, je te parle un peu de ta sujet. Je te félicite là-bas, même, je te dis ce que tu es en train de dire là, vraiment, je suis très fier de ça, hein? Tu es où en ce moment? Tu me dragues déjà. Tu dis? Tu me gardes en direct. Mais tu es en train de rire quand même. Tu es en train de rire, il y a quoi? Mais c'est comme si tu me draguais en direct, non? Hey. Oui, j'ai dit, tu es où? Tu es de quel pays? Mon ami, tu es dans la diaspora camerounaise. Tu me demandes que je suis dans quel pays? Mais moi je suis pas dans le diaspora camerounais. Bon, donc on parle vraiment de... D'accord? Il y a des gens qui essayent d'appeler là. D'accord. Oui. Merci. Ok. Ouais, mais j'arrive. C'est défini que le message. Oui, mais tu... Ok, Dieu éternel, mais c'est bien. Mais attends, je ne vous vois pas là. Mais c'est bien, Dieu. Attendez un peu. Oui, allô, Fallon Sophie. Désolée, attends. Je ne sais pas qu'on me voit trop. Bon, en fait, si j'appelle aujourd'hui, c'est juste pour dire à la veuve Jarius que vraiment, elle prend son mal en patient. Je sais ce que ça signifie de perdre un enfant. Parce que moi, j'en ai perdu deux. Tu vois? Oui. Donc, ce n'est pas chose facile. C'est un truc qui va te traumatiser toute ta vie.
Oui. Donc, quelle mère a sa tête que déjà Dieu lui a donné deux enfants, que celui-là n'était pas pour elle. Oui. Tu comprends? Oui. Que celui-là n'était pas pour elle. Qu'elle ne focalise pas ça dans la tête. Je sais bien que même si je lui dis ça, ça ne va rien changer. Mais qu'au moins, elle essaie de comprendre qu'elle a deux enfants, deux magnifiques filles, qu'elle peut prendre soin d'eux. Tu comprends? Que vraiment, on lui souhaite beaucoup de courage. Moi, en tant que femme, je lui souhaite beaucoup de courage et qu'elle prenne bien soin d'elle. Tu comprends? Merci. Donc, et dis-lui qu'elle nous revient toujours comme elle a l'habitude de nous faire rire. Qu'elle revient, qu'elle vient nous faire rire. Elle ne sera pas remplie de haine. Elle sera toujours. D'accord. Et qu'elle met dans sa tête qu'on va rester même derrière les faux profils, qu'on va toujours la soutenir. OK? Merci beaucoup, ma chérie. Bon, moi, je ne peux pas te dire que je veux venir à Paris parce que Paris, je ne veux pas te dire parce que je suis à plus de 5 heures de Paris. Non, je ne pourrais pas te dire que je viendrai à Paris parce que moi, j'ai des enfants. Donc, j'aurais du mal à me faire garder mes enfants pour au moins venir là dire mes condoléances. Mais de ta part, si elle voit cette vidéo, que vraiment, je lui souhaite vraiment mes condoléances. Je suis vraiment désolée pour elle et qu'elle va arriver à s'en sortir. OK? Bon, merci. Au revoir. Au revoir. Ciao, ciao. Jean-Macam, est-ce que vous voulez? Mais t'as été où? Je te vois pas, Jean-Macam. Mais c'est Benjé, j'appelle là, je prends qui? Francis Moutou. Il est en ligne, il est encore en ligne. Bon, je prends tout le monde qui est là après. Attendez, il y a quelqu'un qui est en ligne là. Merci Candy Kone, merci beaucoup. Bon, il y a quelqu'un qui a lancé un appel, il ne prend pas. Voilà. Vous me dites d'appeler, je ne vois pas les appels des gens. Je vois juste ceux qui m'inquiètent. Ce n'est pas tout le monde qui a la caméra, non? Quand vous lancez l'appel, moi j'ai une caméra, je vois ceux qui ont les caméras. Ça m'affiche tout seulement. Alors, celui-ci c'est bon, il est parti. Ok. Vous envoyez même là, les gens qui envoient les appels là, vous envoyez les appels, on ne vous voit pas. Attendez, il y a qui là qui veut que je prenne? Judy, Edimo. Si vous voulez passer voilà, prenez non. Emilie Mandjou, ça va. Il ne faut pas pleurer. Hein. Il ne faut pas, ma soeur. C'est la vie. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Bon, il y a des gens qui font du n'importe quoi, là. Alors, Jean-Marc Amin, t'es ouais, chérie. T'es bien, au moins c'est celui-ci va prendre. Quand vous lancez les appels, essayez de rester positif, hein. C'est quoi quand vous envoyez les invitations aux gens, vous ne prenez pas les appels. Vous envoyez, vous ne prenez plus après. C'est quoi le projet? Même si je donne le nom de l'hôpital, là, vous ne pouvez pas aller là-bas. Vous ne pouvez pas entrer là-bas. Là-bas, ils n'aiment pas les vies. Quand tu vas aller voir quelqu'un là-bas, c'est merci une ou deux personnes. Donc, on va vous donner le programme quand elle sera chez elle. Jean-Marc Yonga. Ouais, les gens si. Je t'autorise. Donc, il n'y a pas de réponse de Jean-Marc. Bon, on va prendre qui? Francis Matiquet, je te prends alors. Allô? Allô, bonsoir, Mathieu. Oui, bonsoir. Ouais, au fait, moi, tout ce que je... Attendez, je vais un peu baisser la télé, s'il vous plaît.
Au fait, moi, je voulais tout simplement dire, franchement, soutien à la Veuve Joyeuse, parce que là, j'étais déjà, toute la journée, j'étais très mal. À un moment, d'abord, quand j'ai vu le poste le matin, je ne croyais pas trop, j'essayais de l'appeler, mais elle n'a pas décroché. Après, quand j'ai vu la vidéo, donc du coup, j'ai confirmé, voilà. Moi, je vais dire quelque chose, surtout à cette Marthe Chopard, je ne la connais pas, mais franchement, moi, j'aimerais que cette dame se respecte, qu'elle respecte son âge. Je ne sais pas ce que... Pardon? Qui cette dame? Moi, je ne la connais pas parce que j'ai entendu parler. Je ne la connais pas et je ne veux même pas la connaître, mais je sais qu'elle va comprendre, mais qu'elle se respecte vraiment. Elle vend ses sacs, qu'elle se limite à vendre ses sacs. Elle a commencé avec Mamadra, qu'elle se limite avec Mamadra. Qu'elle laisse la Veuve Joyeuse et Cathy Efemi tranquille. D'accord? La Veuve Joyeuse n'a rien à prouver à rien, à qui que ce soit. Si vous voulez, dis ce que tu veux, Marthe Chopard. Dis ce que tu veux, tu penses que c'est ton problème. Elle n'a rien à prouver à qui que ce soit. Parce que Jacques, tu es en train de parler, Jacques, elle a fait un plan avec Cathy Efemi pour dire que machin, truc, patati, patata, elle n'était pas enceinte. Mais attendez, moi, je vais vous prendre un exemple pour ceux d'abord qui disent que le fibrom. Moi, je vais vous poser une question. Vous connaissez ce que c'est qu'un fibrom? Vous connaissez ce que c'est qu'un fibrom? Moi, je veux que vous me dites, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un fibrom? Un fibrom, vous pouvez l'avoir des années, mais il ne grossit pas énormément parce que le fibrom se grossit en centimes, en milliers et en centimes. Vous parlez même de quoi? Ce n'est pas la même évolution qu'une grossesse. Cette dame a annoncé sa grossesse et cette grossesse avançait de mois en mois. On voyait comment son ventre augmentait. Le fibrom, tu peux l'avoir des années, il ne grossit pas jusqu'à ce comme la Veuve Joyeuse, son ventre prenait le volume là. Mais excusez-moi, quand vous ne connaissez pas des choses, taisez-vous, restez tranquille. Je suis désolée. J'ai vu, parce que j'ai vu une dame là qui a parlé là, oh, c'était des fibromes. Non. Et le fibrom peut être risqué. Ça se passe comment? Quand tu as un fibrom, le fibrom, s'il ne réussit pas à t'enlever ta grossesse, quand c'est encore le sang, le bébé, il gagne de la place dans le ventre de sa maman. D'accord? Oui. Il gagne la place. Le fibrom ne peut pas sortir un bébé déjà bien formé. Non. Parce que le bébé, il discute, et je crois très bien que la veuve, je voyais parler même de ça, qu'elle avait des contractions, elle avait mal parce que le bébé poussait, le fibrom pour prendre de la place. Oui, elle prenait des médicaments. Et quand le bébé pousse pour prendre de la place, il gagne et le fibrom disparaît, soit le placenta et le bébé enveloppe le fibrom, on ne le voit plus, juste à ce qu'elle accouche. Mais arrêtez de raconter des choses que vous ne connaissez pas. Cette dame qui a parlé de fibrom, là, je voulais te répondre. Et Marthe Chopard, je reviens sur toi pour finir. Quand tu dis que la grossesse, machin, tout, et je vais te dire une chose. La Veuve Joyeuse t'avait dit un jour qu'elle avait problème de concevoir. Elle t'avait dit un jour qu'elle avait un problème de concevoir. Excusez-moi, elle avait acheté ce remède-là pour une dernière. Et quand cette dernière n'a pas pris ses médicaments, elle les a utilisés. Et si elle n'avait pas de problème et qu'elle a utilisé ces médicaments-là, ça l'a lavé. Elle ne s'attendait pas. Elle est partie, elle a eu des rapports et elle est tombée enceinte. Et vous n'avez jamais dit qu'elle avait un problème de concevoir. Elle ne vous a jamais dit qu'elle était déjà ménopausée. Mais arrêtez un peu à un moment donné. Restez tranquille, Marthe Chopard. Occupe-toi de tes sacs. Occupe-toi de ta vente de tes sacs. Laisse Cathy Efemi dans sa promotion. Si tu as vu qu'il y a des gens qui ont fait, elle-même, elle a déjà posté des gens qui ont approuvé que ces remèdes sont des bons. Et si c'est que les autres, ça n'a pas marché, mais cherchez ailleurs, allez voir les médecins. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à concevoir? Vous n'avez pas tous les mêmes problèmes. Chaque malade a sa maladie. Mais arrêtez! Si tu ne connais pas ta maladie et tu vas prendre les médicaments que d'autres personnes prennent, ça marche, tu vas mettre pour toi en tout, tu mets ces médicaments en tout. Non, vous n'avez pas les mêmes maladies. Mais arrêtez! Maman, arrêtez, s'il vous plaît! Ton point de vue, hein? Cette dernière-là a perdu un bébé, mais s'il vous plaît, arrêtons un peu, s'il vous plaît, les filles. Arrêtez, les filles ou les hommes, arrêtons un peu. Cette femme a mal. Et on dit qu'elle n'est pas enceinte. Vous croyez qu'elle va se permettre d'être à l'hôpital, coucher à l'hôpital, parler devant, il y a les infirmières derrière, dire qu'elle a perdu son enfant. Mais attendez. Mais attendez. Toi. Elle a fait l'échographie dernièrement, elle a montré. Mais attendez, il y a Noël Bangala. Noël Bangala, moi, je ne te connais pas. Je te clash pas. Et je ne veux pas même pas te clash. Parce que moi, je ne connais pas, moi, les clashs. Comme tu as dit la dernière fois que tu es folle, moi, je suis une propre folle comme ça. Mais je ne connais pas trop bavarder.
Donc, moi, je vais te dire, s'il te plaît, de grâce, tu as des problèmes avec la veuve joyeuse, mais dans des moments comme ça, s'il te plaît, ma chérie, enterre ta hache de guerre et supporte, mets le cœur d'une mère devant, s'il te plaît. Mets le cœur d'une mère devant. Cette maman, cette dame vient de perdre un bébé, un nouveau-né. Mais arrêtez un peu, s'il vous plaît, les filles. Nous sommes tous des Camerounais, je ne sais pas ce que nous discutons sur la tonne, je ne sais pas ce que nous cherchons même sur Facebook. Qu'est-ce que nous cherchons? Ça nous rapporte quoi? Ça nous rapporte quoi? Il y a l'autre qui est en train de jubiler là-bas. Quelqu'un perd un bébé, tu te mets à jubiler? Tu jubiles quoi? Qu'est-ce que tu jubiles à la fin? Mais franchement, tu jubiles, t'as gagné quoi? T'arrives même pas, tu sais même pas si toi tu vas arriver à avoir un enfant un jour. Même au retard, t'arrives même pas, mais tu jubiles, quelqu'un perd son bébé, elle est encore à l'hôpital, hein? Et vous dites, et je veux aussi rappeler la dame qui a parlé de l'opération. Non, elle ne va pas se faire opérer parce que quand un bébé meurt dans le ventre, on te provoque l'accouchement. C'est ça qui prend 48 heures parce qu'on ne connaît pas combien de temps ça met. On ne fait pas la césarienne, non. On te provoque l'accouchement. Tu accouches normalement comme une femme qui est en train d'accoucher. Voilà. Donc, on te provoque l'accouchement, on te met certains trucs, on prépare, on fait des trucs pour te préparer. Donc, ça va mettre 48 heures. C'est ça, elle aura des contractions normalement, comme une femme qui est en train d'accoucher. Donc, je voulais aussi faire comprendre ça à la dame. Ce n'est pas, il n'y a aucune césarienne ou aucune opération qui dure 48 heures. Donc, ce n'est que ça. Donc, moi, j'ai voulu vous faire comprendre ça. Voilà, je te remercie. Et hey, Mako, mais Weki, tu ne peux pas dire que tu vas seulement prendre les gens que tu connais dans tes directs, non, maman. Ils ont de beaux sauts, donc tout le monde doit parler, ma mère. Non, mais il est beau. Les gens, ils viennent. J'ai vu beaucoup de personnes là qui ont lancé leur appel. Le problème, c'est qu'ils ne répondent pas. D'accord. Donc, du coup, je ne vais pas prendre des faux profils quand même. Non, mais ce sont des êtres humains, non. Prends-les. Moi-même, j'ai caché parce que je ne suis pas bien. J'ai caché. Moi, je suis un vrai profil. Bon, voilà. Je vous laisse aller. Bisous à tout le monde. Soutien total à la veuve joyeuse. J'essaie de t'appeler, ma mère. Je n'ai pas pu t'avoir alors que je prenais tout le temps de tes nouvelles pour savoir si vous alliez bien. Mais franchement, j'ai eu ça comme un coup de choc. Franchement. Oh là là, je suis vraiment, vraiment désolée, ma joyeuse, vraiment. Courage, courage, courage. Allez, merci. Bisous. Bonne soirée. Bonne soirée à toi, ma chérie. Merci, ma Fodeskik. Premier ministre est belle. On ne voit même pas que les Sénégalais draguent d'un autre premier ministre en direct. Bon, je vais devoir vous laisser parce que là, je m'occupe de ma petite famille. Voilà. Donc, soutenons la veuve joyeuse. Donc, n'écoutez pas ce que les gens racontent de gauche à droite. C'est du bazar. C'est du blablabla. Voilà. Je suis Dieudonné. Voilà. Solange Mongueur, je suis Dieudonné. Voilà. Donc, je sais ce que ça fait. Donc, la veuve, de toute façon... Restez connectés, vous aurez des nouvelles de son évolution. Voilà. Elle n'est pas bien en ce moment. Soutenons-la. Je vous embrasse très fort. Et priez beaucoup, hein. La prière. Parce que quand on se lève le matin, on se dit qu'on est fort. Non, on n'est pas fort. C'est parce que c'est Dieu qui a voulu qu'on se lève le matin. C'est quand tu vois quelqu'un que tu connais dans le cercueil que tu te rends compte que la vie n'est rien. La vie, c'est zéro. Même à mon pire ennemi, je ne souhaite pas. Hein. Moi-même, si c'est que j'ai un problème avec quelqu'un, moi-même, je me lève. Si la personne a un problème, je viens voir ma soeur. Je laisse les problèmes, l'oreille à côté. Parce que la vie, ce n'est rien. La vie, c'est zéro. Je sais que vous suivez beaucoup la veuve. Parmi vous, il y a certains qui ont perdu leur père, leur mère, leur frère, leur soeur et tout. Soutenons la veuve. Je vous embrasse très fort. Il faudrait que j'aille m'occuper de ma petite famille. Il est l'heure. Parce qu'ici, à partir de 19h-20h, il faudrait qu'on soit à table. Il faudrait qu'on mange, qu'on soupe. On dit, on soupe. Voilà, je vais souper avec ma petite famille.
et restez connectés, vous aurez des nouvelles. Voilà. Je vous embrasse très très fort. Bisous.